Et Bonjour bonjour YouTube. YouTube! T'as pas fait le 3-2-1, j'étais pas prêt. T'as pas fait le truc. Quoi? Ah oui? Ah, y a pas eu de 3-2-1? Oui, alors il y a eu un blanc entre les deux. C'est pas grave, le meilleur duo est là, suivi jusqu'à Thonon-les-Bains. C'est ça. On va faire cette fois-ci une émission un peu plus particulière. C'est vrai qu'on a pour habitude, en tant que grand tryharder, hein, mon ami Adémien et moi, Eh oui. de vous présenter les decks les plus forts de la méta, vraiment les decks qui ont des winrates, qui cassent des bouches en ladder et tout. Le truc, c'est qu'on a déjà beaucoup fait le tour de tous ces decks-là. On a déjà présenté, bah, quasiment à chaque semaine, on présentait le top 3 des decks. C'est des decks que vous avez vus en finale de tournoi, c'est des decks C'est que ça. vous avez vus faire rang à légende, quasiment à chaque fois. On s'est dit, le seul deck qui correspond encore à ça actuellement, ce serait un War Pirate. Avez-vous envie de voir du War Pirate? Vous n'avez pas envie de voir du War Pirate Non. sur YouTube. Du coup, on s'est dit, on va faire une édition spéciale Yogg-Saron. Alors non, les decks que vous allez voir, surtout le premier, celui qui est sur la troisième place du podium, ne sont pas les meilleurs decks. Ils sont même pas forcément très bons, mais vous allez prendre du Bah, plaisir à les jouer. celui-là est pas forcément très bon. Les deux Tu les autres, poubelles, les deux autres sont pas mal. les Enfin, deux autres, même le premier est même carrément fort. de ce que tu m'as dit, il est Oui, carrément fort. Moi, je fais confiance à mon ami Odemian. Et donc oui, nous allons aujourd'hui, dans ces decks de la semaine, on spoil pas encore toute la vidéo, hein, mais on va avoir trois decks Yogg-Saron qu'on va vous présenter. Et ça va être du et tout bon. du coup, quoi qu'il arrive, au moins on va bien s'amuser. C'est ça. C'est l'avantage. Et Il ça y a reste. qu'un Call of the Wild. Que fais-tu à la Ah, il y a liste? qu'un Call of the Wild, Oui. pardon. Il y a Barnes, Mea que tu as culpa, j'ai oublié oublié. Barnes. Et les deux. J'ai mis les kill commands? Alors, Je crois que j'ai pas les kill commands, je crois. oh, les kill commandes. Important comme Ah, carte quand même. kill commandes. Voilà. Hop. Vas-y, histoire qu'il n'y ait pas de trop gros break, je pense qu'on lance cache une game avec, non? Alors, bon, revenir un peu sur cette liste. Bon, évidemment, celle-ci sera la plus fun des trois qu'on va vous présenter. L'objectif, c'est quoi? Jouer quasiment que des sorts dans votre deck. Ah mais attends, je peux pas jouer en ladder en fait. Va sur mon compte. Copie le code de la liste, va sur mon compte, comme ça on n'a pas perdu de temps. T'en es où sur le ladder, toi? C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? C'est pas grave. Je dois être genre 250, Ok. c'est pas grave. On va leur monde... on va... De toute façon, on va gagner les games, donc... Ok, très bien. Allez. Donc vous pouvez mettre dans les commentaires, sur le chat et dans les commentaires Je te laisse. de YouTube, vous pouvez mettre Odemian à des mini coconuts. Tu voulais que je tag en top 100 avec Hunter Yogg-Saron. Je ne demande rien, je demande juste à ce que les gens disent Odemian a des mini coconuts. Hop. Ah oui, on a le fameux bug jeu en cours T'imagines la d'utilisation. gueule du mec qu'on va tag là en top 200 ou top 300 et qui va te voir Y a avec bien un mec, Hunter je sais pas si t'as Yogg-Saron. suivi sur Twitter, si vous avez peut-être suivi vous Ouais. aussi, y a un mec qui a essayé de nous faire croire Qu'il avait qu'il avait fait? fait top 4 Ouais. en match quête. Mais c'est vrai? Oui, bah oui, c'est vrai. Rastafiche, il est deuxième EU Oui, bah oui. en match quête. Oui. Et à Noël, il y a des petits lutins qui viennent. Bah comment ça, il a les screens et tout, tu penses qu'il les a Photoshop? Il a des screens de quand il joue? Oui? Plus d'une game? Deux. Parce que on joue sur le même ladder. Le ladder Ouais. actuellement, c'est Rocket, Ouais, mais Rocket. c'est des mages Ouais. et c'est des decks aggro. Oui. Quel est le bon match-up là-dedans? Bah les decks aggro ça va, parce que tu Les run decks tout le aggro, package freeze. c'est les moins pires. Ouais. Les decks aggro, c'est les moins pires, mais tu gardes quand même une carte au mulligan qui rend juste moins bon. Mais admettons, t'avais copié le lien du deck? J'ai copié. Ok, alors attends, je dois faire ça. Non, t'as rien besoin de faire là. Normalement il va te demander quand tu commences à créer le deck, voilà. Ah. Je savais pas que ça fonctionnait. Oh, Il le fait parfait. cache. Magnifique. En plus, t'as déjà pris le screen. J'ai déjà pris le screen. On peut lancer la game directement. On vous a même fait une petite démonstration des liens deck. Vous savez ceux que vous nous demandez à chaque fois en description. La dernière fois, ils y étaient. En tout Si cas, j'ai demandé à ce qu'ils je dis y pas de soient. bêtises. Hop, je te laisse mettre la liste. Vas-y. On va en parler pendant ce temps. Pour moi, c'est impossible qu'il ait fait ça en match quête. Parce que, comme tu dis, aggro, c'est limite les meilleurs match-up du deck. Donc, en fait, quel est l'intérêt de jouer le deck? Non, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Yogg. Yogg quelque chose. Place sur Yogg. Quel est l'intérêt Voilà. de jouer un deck mage qui Oui. soit juste moins bon que les autres decks mages? J'en sais rien, mais ça c'est le délire de Rastafish, il aime bien Non, jouer des non, trucs mais. plus Ah faibles. non, non, pour moi c'est faux. Pour moi Pourquoi c'est c'est impossible? impossible. Tu gardes de morsure ou pas? On va garder grave morsure. Ouais. Je crois pas qu'on garde les autres. Bah grave morsure est bien parce que ça gère Nonoeuil au passage, genre c'est Ouais. plutôt cool. Je pense que tu dégages tu cut le reste.
Ça va pas être cool, hein. On va se taper un petit War Pirate là. Ah, le bon petit Warface là, il va régaler, hein. C'est pas grave, on a des balls. Ils n'auront pas nos coconuts. Franchement, si on tombe sur Wartaunt. Mais il a renvoyé la carte de gauche. Il a renvoyé ah, mais la il carte est contre de gauche. Run, donc forcément Il il est contre renvoie Hunter, tout. normalement tu renvoies tout. C'est vrai, c'est vrai. Et regarde. On passe. Oui, d'ailleurs, si vous jouez Wartaunt sur le ladder, n'oubliez pas que si vous rencontrez un chasseur, n'oubliez pas de toujours Eh oui. renvoyer votre quête. Hein. Ah, parce que les decks de la semaine, c'est non seulement des decks inédits, mais en plus des pro tips à chaque game. Alors. On va faire une incroyable fusée éclairante sur le T2 là. Ça va Je être la quelque vois déjà venir. chose. Ça continue de te mettre Odemian et des mini coconuts sur le Oui. chat. Non, mais c'est surtout dans les commentaires de la vidéo, j'aimerais avoir un maximum de. Hop. Allez, flair. Putain, tu t'es jeté sur la souris pour la faire cette flair, ça te faisait trop triper. Hein. Je t'amènerai au feu d'artifice du. Tu sais, sur du 14 juillet. Hein. Oh fuck. Ah mince. Oups. Ok, on fait marque et. Grave morsure. Marque à gauche, grave morsure. Ouais. Ouais, c'est sûr que faire marque là-dessus, ça nous aurait pas avancé à grand-chose. C'est pas mal, hein. Alors, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir faire Barnes qui donne Maligos. La deuxième savane. Yogg-Saron ouais. serait terrible. En fait, Maligos, c'est pas incroyable. Ouais. Bah, Maligos, c'est bien que si on fait pas Barnes de suite et qu'on attend pour le combiner avec Grievous Bite, en fait. Aïe. Je pense pas qu'on ait le temps d'attendre. Ah non, non, on attend pas. Hein. Donc là, du coup, on va faire Barnes. Au moins, si on a Maligos, ça va le forcer à trade, c'est déjà ça. Oui. Parce qu'on préfère évidemment la savane, hein. Ça serait l'objectif. Payug, juste Payug. Nice. Yeah. Ah, victoire. Non. Victoire, tu es optimiste. On va faire deux Misha là et ça va se mettre bien, non? On a pas de Taunter dans le deck. Hein, à part les potentiels Misha que on, tu viens bah, de dire. On a les deux Misha et Appel de la Nature. Et Piège Explosif qui est pas un Taunt mais qui peut parfois. Faire... Oh! He trade! Ouais. Votre magie ah mince. Non! Ah mais c'est. Attends! Ah bah oui, c'est vrai! C'est gros du coup! Oui, c'est vrai! C'est vrai qu'il y a ça! C'est vrai que ça fait ça. Est-ce qu'on fait double compagnon? Je suis chaud pour double compagnon. Lâchez les chiens et morsure, trade tout. Hein. Ah, ça évite de prendre des et dégâts. Et au prochain tour, on fait double compagnon. Ouais, c'est fort. T'as raison, t'as raison. Ça trade pas tout en fait. Non, mais on peut mettre la savane, ouais, c'est pas grave. Non, mais enfin, on prend pas de dégâts, c'est ça qui est ouais. important. Et de toute oui, façon, il a pas envie. J'avoue qu'au final, c'est moins fort que ce que c'est. C'est probablement moins fort que quand il y a. Genre... Je sais pas pourquoi je me suis dit que. Dans ma tête, ça avait l'air très fort quand tu l'as dit. Dans et puis tête... en fait, j'ai vu que dans la ma... savane. Dans ma tête, il y avait 6, tu vois, en tout. Et en fait, non, il y avait 5. Voilà, donc les decks de la semaine, c'est pas seulement. C'est pas seulement du gameplay professionnel. C'est aussi des mathématiques de haut niveau. Ok, l'emplacement est marqué d'un X. Aïe. Ah. Merde. Je suis triste là. Ah, c'est compliqué la vie. Hein. Ok, il faut qu'on garde cette coin du coup. Ouais. Fais pistage. First. Pistage, tu penses? Ah oui, on doit. Ouais, je pense que tu peux avoir des choses intéressantes avec un Mais pistage. Si on chope un porc et genre un porc et un Misha ou un truc comme ça, là ok, c'est ok, pas mal, ok. Ouais, go double. Allez. Un porc. Ah, les Ox, ça sert à rien. Les Ox, c'est nul, mais bon, on pense trade l'un de toute façon. Ouais. Et bah ça, ça va, ça y est, on a pas le choix. On est prêt, on meurt. Hein. Là, il a 8. C'est peu probable qu'on meure ce tour-ci, mais on ouais, va probablement mourir. Setup et ça va on être va chiant. Mourir en deux temps, ouais, vraisemblablement. Je suis triste. Ouais, c'est dommage. Il faut qu'on survive pour Yogg-Saron. Le problème, c'est qu'on a plus de taunt dans le deck. Ouais. Oh. Il a repéré le moment où il doit full face. Bravo à lui. Hein. Oh non. Notre tour là chez les chiens était bien nul quand même. Ouais, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Après, de toute façon, il aurait clear la savane avec oui, sa, non, son coup de hache, donc en soi. On est d'accord que. Je pense que. C'est pas comme si il ça. Il a pris un trade, hein. Oh. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Ouais. Ça dépend ce qu'il y a en follow-up, quoi. C'est un peu l'idée. Si on récupère. Attends. Je sais pas ce qu'il nous faut, mon pote, mais. Bah, il nous faut. Appel de la nature, en fait. Il faut une innervation, en fait. Si on fait pistage into appel de la nature, on pose la crinière, on trade là. S'il nous tue pas, l'appel de la nature peut faire le taf. Ouais. Pistage, t'as joué quelque chose là. Ça doit être un truc, une source de 4 dégâts, non, probablement. Un truc comme ça, ouais, ça aïe. Frappe mortel. What? Ah, c'est parti fait, en mode pas ouais. de pitié. Arc. Oh. Bon, à la recherche ouais. de la carte qui nous sauvera. Je sais pas trop qui commande. Oh.
Marc. C'est Marc du coup? Ouais, je pense que c'est Marc. Kill Command était bien mieux, mais bon, on fera avec. Hein. On prend le trade là. Ouais. Et on tape là-dedans? Attends, on ira au port, ça c'est sûr. Est-ce que le seul moyen de gagner, c'est pas de conserver la... le seul... On est d'accord, le seul moyen de gagner, c'est conserver la coin ici? Tu mets ça face? Non, je pense pas, je pense que ça sert à rien. Je pense que c'est inutile de le mettre face. Ouais. Et que... en tapant là-dedans, on évite qu'il booste son arme éventuellement avec une deuxième... Ouais, on évite des potentiels bullshit. Faut vraiment pas qu'il top deck un bon truc. Faut que la coin fasse des Pire, miracles. Leroy nous tue. Qu'est-ce qui est vraiment nul là, à top deck pour End lui? of first mate. End of first mate est vraiment nul, ouais, effectivement. Ça c'est pas vraiment nul. Ok, Appel de la nature. y a une seule carte qui nous sauve. C'est appel de la nature. C'est Appel de la nature, effectivement. Oh shit. Oh non, we dead. Non. No. On était presque, Mavriki. On est mort. Oui. Putain, le non-fun, quoi. Mon Oxaron qui passe même pas. On perd des points légende. Enfin, Et oui. on gagne quoi. Mais c'est pas grave, on va aller les regagner. Bon, du coup, on vous a montré le premier deck Yogg-Saron. Ouais. Vous voyez, ça bat presque On a presque battu War Pirate. Eh oui! Le deuxième deck Yogg-Saron que nous allons vous présenter. On a oublié de faire la liste. Mais dis donc, c'était extrêmement mal joué de notre part. Comment ça? De ne pas faire ça. Eh oui. On perd en professionnalisme. C'est ça. La semaine passée, Chasseur. tu n'étais pas là. Et directement. Mais pas Yogg-Saron à chaque fois, ça fait un peu. Chasseur Yogg. Je pense que les gens savent Oui, c'est vrai que si on met juste. Je pense que les gens savent ce qu'est Parce que là, on met Yogg. juste Chasseur. Et on mettra Yogg-Saron dans le titre. Oui, ah bah oui. Ok. Oh. T'as vu? Ça c'est Et donc malin. là, le deuxième, c'est. Mage. Mage ou guerrier? On avait dit guerrier en deuxième. Ah, pour toi le meilleur c'est mage? Ah bah oui. Ah, je sais pas moi tu m'as vendu le guerrier comme genre grand top 100 Non, tout ça. le guerrier est cool, mais je pense que le mage est vraiment Ah, très bah alors fort, mes tu vois. guerriers. Ah, c'est guerrier ici. Bon, du Ça coup. me perturbe que tu mettes une majuscule à guerrier et pas à chasseur. Ça veut dire quoi? En quoi ça te Et perturbe? Est-ce que ça t'étonne de ma part? c'est discriminatoire? Oui, j'assume Ok. complètement. J'assume ma discrimination envers Rexa. Bon, allez. Hop. Profitons-en pour faire la liste. Alors là, c'est. Je te laisse faire tout parce Ouais. que. T'inquiète. Tu as vu cette liste et tu m'en as parlé. Ouais. Bah. Je l'ai vu la streamer surtout. Ah, il a streamé. Ouais. Bah, nous aussi, on va le streamer. C'est ça. Hop Et là. Donc, c'est. la liste avait l'air sympa. Grosso modo, Après, c'est savoir contrôle. c'est ça. Donc, si vous avez la maladie du War Control, cette liste est faite pour vous. Exactement. Comme mon ami Odemiana. Non, la liste est. Bah, ça rappelle, tu sais, il y avait des listes Oui, Yogg-Saron à une ça époque. existait déjà à Ouais, l'époque en voilà, effet. c'est pas ça. C'est ça que je voulais On mettre. sent ton sang de Je War suis le Pirate pote. qui prend le dessus. Hein. C'est ça. Hop. L'armure clandestine, évidemment. Bah, l'armure De clandestine, que vous Grawl. soyez en War Taunt ou en War Control, elle est toujours extrêmement forte. Hein. This is true. Et derrière, je crois qu'on a fait le tour là. Donc Ouais, maintenant, on a on va fait le aller tour pour les chercher. cartes. Bah, évidemment, Yogi. Hein. Yogi. Oh, tu l'as endoré. Tiens, c'est Eh pas oui, beau. c'est grâce à un viewer d'ailleurs que je remercie. Hein. Qui t'avait permis de la craft en doré, ça? Exactement, il m'avait fait une généreuse donation qui m'avait permis d'acheter des packs. Et il m'avait dit craft Yogg en doré. C'est beau. Évidemment, comme quand viewer veut, streamer fait. Hein. Exactement. On est à 25 cartes, il me Alors, manque deux deux acolytes, acolytes. deux rats Deux rats, c'est ça exactement. et un limon. Alors, attends, c'est rat déloyal et limon. C'est un limon glouton, hein, nous Ouais, sommes c'est le d'accord. glouton. Que vous pouvez remplacer par le petit limon à deux, hein, si vous n'avez pas. Oui, C'est c'est pas. pas une différence énorme. Et voilà. Tu peux prendre le screen. Hop là. Attends, non, il y a eu un petit souci sur mon screen là. Si voilà, si vous aimez War Control, ça c'est une des listes bah, qui a fait top 100 là récemment. Il est top 50 Si. même avec, je Je crois, Evangélion. te crois entièrement. Ouais. De toute façon, si ça ne marche pas, c'est de la faute de Damien pour ce deck-là. Exactement. Si le Hunter ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Bah là, après, là on veut bien le même War Pirate. Hein. Ah oui, il donne le War Pirate hein, là. Donc guerrier, hop. Les aggros, c'est vos meilleurs amis hein, quand vous jouez ce genre de deck. Exactement. Et contre contrôle, vous avez Yogg-Saron. War Control, ça doit être ça. Voilà. Bah contre contrôle, il y a des decks que vous ne pouvez que vous
n'allait pas battre, genre Druid Jade. Ah bah Oh, tiens. chasseur, c'est pas mal. Ça, en théorie, chasseur, ça devrait être pas mal, ouais. Les nourrir les poissons contre chasseurs sont particulièrement violents. Hein. On dégage tout, je pense. On garde même pas un tourbillon. Tourbillon est ok, mais tu cherches vraiment hache, ghoul. Enfin, les trucs qui mettent un peu de présence sur le board et qui te permettent de. Ok. Je pense. On va écouter Le tourbillon est contrôle. legit contre Moi, j'aime chasseurs. bien tourbillon, mais. Et là, I would keep on it. va te faire plaisir. Ok, il a gardé une carte en face. C'est pas top. C'est pas une main insane. Assez loin de là même. Mais bon. En même temps. Ça va, c'est pas un start très dangereux ça. Oh là là. Ça Yogi n'améliore pas la qualité de la qui est main. déjà. Non, ça améliore clairement pas la main. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de le jouer du coup. Il est vrai. Ah, ça c'est toujours très dommage. La grand-mère qui vient un peu gâcher nos effets de tourbillon. Ah, ça par C'est contre c'est très sympa bon. par contre. Allez, tu nous équiperais pas un petit arc là? Histoire de me faire plaisir. Un petit arc et tu tapes pas. Comment ça, un petit compagnon? C'est agréable. Ouais. Problème c'est que là la grand-mère elle nous empêche de faire notre clear. Ce qui est assez pénible. Ah, déloyal. Tu pourrais le jouer en vrai. C'est ça. Si on prend pas crinière, ça Ouais, va. moi je suis chaud. Ouais. Moi je. Faut juste pas prendre crinière là-dessus. On remarquera que Odemian a beaucoup plus de coconuts quand il joue avec mon compte qu'Eglosion. Ah non, mais ça c'était juste le play correct en Tu fait. l'aurais fait quoi qu'il arrive. Tu verrais les rats que je fais, mec, quand je joue Warthog, genre. Oh. Ça te surprendrait, hein. Oh attends, mais il va prendre un clean insane lui. Oh! Hello, my friend! Oh ouais! Oh, on peut même le faire avec ça! On le fait avec ça, hein, d'ailleurs. Oh! Prochain tour, on a le jeune Navrecorne de toute façon, donc c'est Ou bien de alors il mettre veut faire un arc. bien de mettre une présence. S'il met un arc. Ah bah tiens. Pou, 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 C'était brutal. Est-ce qu'on en refait une carrément? Tellement elle a été courte. Oui. Ouais, allez. Allez. Cette game a été tellement courte que nous allons vous proposer une deuxième game de guerrier. Exactement. Ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo pour l'instant spéciale Yogg-Saron, nous Oui. avons joué 0 Yogg-Saron. Mais on l'a vu deux fois. On l'a vu deux fois. On aurait pu le coin Mais le si truc vous c'est. avez laissé un tour de plus. On a une game qui a atteint le T8 et une game qui a atteint le T5, donc. What can I say? Eh oui. Tixuti! Alors lui, si c'est ça, si c'est pas du Warface, mon gars. 100%. Non, en vrai, ce matin, je lui ai Est-ce qu'on dit. gardera? Ce matin, je lui ai dit de jouer Warthog. Ok. Donc, c'est possible. Tixuti, il m'a dit hier. Hier, j'ai joué contre un streamer. Il m'a Ouais. envoyé le lien et il m'a dit fin de saison, pas de pitié. Donc bonjour Tixuti. Salutations, Tixu. On est ravis de te rencontrer en ce jour si spécial de fin de ladder. Est-ce qu'on gardera, non? Ouais, vas-y. C'est pas mauvais contre Warthog, Ouais, c'est. c'est ok Il a contre gardé la Warthog. carte tout à gauche? Je sais pas, j'ai pas Ce qui est vu. bien, c'est que t'as mis ta grosse tête dans le chemin tout en ne regardant pas. Je pense qu'il a Non mais gardé la t'inquiète. carte. Il a gardé Ah, la carte il a tout à gardé gauche. la carte tout à gauche. Il a gardé trois cartes, hein. Si c'est un War Pirate, il va nous découper. Il va nous découper. Salutations! Tixutei! Tu Tixoto! fais rat comme ça du coup? Vas-y. Je suis impatient de le voir. Il aime bien se pointer en main de départ, lui. Hein. Vas-y. Oh, not bad en vrai. Ça va en vrai. S'il est obligé de mettre le cours. Il faut qu'il mette le truc là-dedans en Ça serait fait. bien, ouais. Il faudrait qu'il mette là-dedans, comme ça on peut ghoul. Faudrait pas qu'il mette un berserker. Mais tu crois vraiment qu'il va taper avec la 4-3? Sachant qu'on a ghoul? Ouais, mais a-t-il le choix en Ah, fait? ça, on verra. Ah, dans le pire des cas, il le tue pas. Oui. Après, je t'avoue que s'il me fait. Ah, il peut faire Frappero en vrai. Hein. S'il a Frappero en main. Ouais, Frappero est fort. Oh oh! Il est malin! Malinx, le lynx. Non, en vrai, c'est le play juste. Oui, non, C'est juste le play correct. 100%. Hein. Bon, du coup, il est plus gênant que prévu. Oh! Ouais, on fait ça. On prend masse patate, mais. Tu tankes toujours un peu en début de partie, hein, de toute façon, dans ce match-up. Ouais. Pas que ça fasse plaisir, quoi. Non. Faites confiance au code des On va continuer On va prendre quelques coups à là. tanker, hein. Ouais. Ça, On met ghoul. la goule, hein. Sauf si on top deck mieux, mais. Nope. Nope. On aurait pu faire shield block et se dire que prochain tour on faisait ghoul exec, hein.
Non? C'était ok, mais là sur 4 en fait, là, il y a de fortes chances que son tour ce soit genre Corcron ou un truc comme ça. Ça peut être Reaper aussi. Ah, c'est Reaper. Hein. Okay. Il nous faudrait un Taunt ou un Limon Glouton. Ah, j'avoue, Limon Glouton. On a beaucoup de bonnes choses ici. Ah. Ça n'en fait pas partie malheureusement. Ah. C'est les pires cartes, hein, les heures de bouclier. Ouais. Là, actuellement, le problème c'est là, vu qu'il a Coin Reaper, généralement c'est qu'il y a des Amelio derrière. Ça fait un peu peur. Ouais. Surtout qu'il a gardé beaucoup de cartes. Ouais. Oh. Ça va être notre ami la 3-4. Ouais. Il faudrait vraiment que ce soit. Prend mort. Il faudrait vraiment que ce soit. Limon Glouton, ça donne de l'armure et ça nous permet de shield slam. Ah, c'est un délire. C'est vraiment la win. Oh. Ok. Ça va être double shield slam là-dedans. Tu peux armor up. Armor up, c'est shield slam exec ou double shield slam? C'est ça la question. Shield slam exec. Hein. Pour moi, tu balances tous les removals. Ah ouais, ok. Tu gardes la créature et on fait curator ouais. Au prochain. Si on est en vie. J'ai un petit doute sur le fait qu'on soit en vie. Je vais pas te mentir. Bah, il nous met 6. Il lui faut 5. Ça implique Leeroy. 5, c'est pas le truc le plus facile à faire en war. Ça implique Leeroy ou. Non, il peut y avoir le petit pirate ou le frappéro. Il a déjà utilisé une frappéro, donc ça serait genre petit pirate Corcron ou un truc comme ça. Il a pas l'air de l'avoir parce que Tixu, c'est pas le genre à hésiter quand il a l'étal. Wep. Et oh. Oh. Et une hache. Oh, ce serait pénible ça. Mais il n'y a pas de raison de l'équiper s'il a une hache ici. Si. Ah bon. Hache. Ok. Bah, c'est curateur, hein, je pense. Ah, il y a un monde où c'est peut-être brawler armor up aussi notre player. Le truc, c'est attends. Tu fais curator, tu prends le trade dans la 2 hein, si tu fais curator, oui, c'est oui. Ça. Donc, du coup, il a. Ça, c'est une 4-4. Ouais. Il tape là. Quasiment il tout, tape hein. Là. Il nous tue sur toutes les charges du jeu, quoi. Il nous tue également sur Reaper. Frappero. Ouais, il nous tue sur trop de choses. Mais en faisant ça, on meurt sur quasiment tout aussi. Hein. Mais ouais. Oui, mais on setup un meilleur follow-up. Je pense que t'as raison, je pense que c'est le play. Et c'est moi qui tiens et la si notre ghoul, et si notre ghoul ressort, par contre, on se met vraiment mieux. Et vas-y, tu fais jamais ça pour les potes. Bon bah, armor up. Armor up, hein. On a pas le choix. On avait le choix. On est techniquement vivant. Non, on est techniquement mort là. Non mais. Là on peut choper genre Drake ou. Ah, il faut le top deck tu veux dire. Ouais. J'avoue que Drake c'est insane. La fabricante également. Tourbillon, on est en vie. Non. Ah si. Si si. Ok, oui. Genre. Tu m'as fait peur quand même, je me suis dit, je sais plus jouer à ce jeu. Ah. Donc là il faut qu'il top deck quoi, genre Zerk. Un blank. Ouais. Je sais pas ce qu'il veut, mais. N'importe pas... quelle arme en fait. Une arme, une créature, ah pas ça. Ça suffit malheureusement. We dead, il fallait pas grand chose, il l'a ouais. Eu. Bon, on vous aura montré le guerrier. En général, un war pirate qui garde 3 cartes, c'est ouais. Difficile, ah. Difficile à battre. Hein. Ouais, le gros problème en fait de fin de ladder, c'est que vous avez pu le constater sur 3 games, la méta a tendance à être un petit peu agressive quand même. Ouais, après, c'est justement pour ça que théoriquement ce deck est fort. C'est... Là, on a fait une sortie qui était quand même particulièrement okay. Faible. La sortie est faite. Il faut le dire. Il a fait une draw qui était vraiment solide en ouais, face. Ouais. Mais dans ce match-up, vous êtes favorable. Hein. Faut pas. Oui, ah, ce match-up, ça, vous c'est... êtes devant. Hein. Il n'y a pas de doute. Donc, ouais. Ça, c'est un deck, vraiment, vous pouvez le jouer pour le ladder. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter avec. C'est pas du tout un bait. Sur ce, on se retrouve. Non. Non. Tu vas d'abord aller là en dessous. Quoi? Là? Oui. Ah, et oui. C'est vrai. Et nous allons vous parler. D'ores et déjà du petit concours de la semaine comme chaque semaine. Oui, d'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai reçu les codes, donc tous les codes. Donc ce qui veut dire que... Ah, t'en avais pas encore, même ce Oxide, voilà, par exemple, donc, le premier pas voilà, encore mais, okay. En toute façon, on avait dit qu'il y avait un délai qui pouvait aller jusqu'à 3 semaines. Donc, exactement. J'avais prévenu tout le monde, il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, on a tous les codes, on peut les... À partir de maintenant, j'ai tous les codes, donc dès que les gens gagnent, immédiatement, on va redonner... Magnifique, bah, d'ailleurs, fin de... En fin de vidéo, en fin des decks de la semaine, ouais. on tirera au sort le gagnant c'est pour ça. La semaine précédente. Donc c'est simple, là tu vas faire un tweet. C'est ça, je vais faire un tweet dans les bah, dans les la minute qui va suivre là. Exactement. Et ensuite on fera
Et puis on tirera au sort quelqu'un parmi les retweets, les follow, etc. Enfin, Exactement. tout est précisé Donc vous là-dessus. avez une semaine, vous faites le RT, le follow, tout ça, un sourire. Le classique, vous commencez à connaître de toute façon. Et peut-être que vous aurez le bon d'achat de 50 C'est euros, ça. si vous êtes chanceux. Exactement. Bah sur ce, on vous dit à demain pour YouTube et puis à tout de suite pour Twitch.